Et bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, je ne sais plus combien, pareil, dans Mario, dans Zelda, je me souviens plus des épisodes, de Skyward Sword, The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien, ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné. On va essayer de voir où est-ce que je dois aller. Votre énergie de mutale diminue, oui. C'est gentil, fait. Oh! Au moins un truc utile que tu dis une fois dans ce let's play. Maintenez ça enfoncé, oui, allez, super. Je sais comment me servir de la fonction de détection, mais j'aimerais savoir où est-ce que je dois aller parce que je me souviens plus du tout. Je sais qu'on avait fait la psy-salice, mais. Après. Vous ne parviendrez jusqu'à 9 Zelda qu'en libérant la puissance de votre épée grâce aux flammes sacrées des trois terres. La probabilité pour que les gars du dragon d'eau et de l'épreuve de la forêt Chiron. D'accord, je vois ce qu'il faut aller. Oui, merci. Je sais que l'épisode ne dure, n'a fait qu'une minute. Oh, lol, le swag. Bref, faut que j'aille, si je vois où je vais, enfin, je vais savoir où est-ce que je dois aller. What? On peut nager sous l'eau? Je pensais qu'on pouvait pas. Ah oui, non, on peut que depuis le dernier épisode, oui, d'accord. Si je me trompe pas, il faut que j'aille. Il faut que je trouve celle par là. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'asseoir. Je sais qu'il y a un petit escabeau ici, un tronc d'arbre. On va s'asseoir et puis cette grosse porte en pierre va nous être utile, si je me souviens bien. Alors. Ah. Yes. Alors, là, il faut que je fasse ça. Je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais il fallait faire un dessin et tout. Non, ça serait que dalle. Mais je sais qu'il fallait faire un dessin sur cette porte. Bizarre, ça me semblait la méthode la plus logique, mais enfin je me rappelle que c'était ça quoi. Puis bien qu'on arrive dans la deuxième zone du jeu. Faut qu'elle me redise là, conseil. Très bien, maître, à quel sujet puis-je vous renseigner? Indice. Nous sommes dans la forêt de Chiron, elle est peuplée de dangereuses plantes et de monstres maléfiques, la vigilance y est de mise. Parfait. Et pour moi, c'était ça en fait. Mais je sais que c'est pas maintenant, ce sera après, mais je sais qu'il fallait faire ça. D'accord. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Mais alors là, pas du tout. Au moins que ce soit là. Alors attendez. Le maniement de Link est vraiment un truc très bizarre. On y est. Yes. On récupère l'air, c'est quand même très le swag. Sinon,
Parlons de mon actualité. Qu'est-ce que je risque de faire ces prochains jours? Je risque de faire un live marathon sur Zelda TP, Twilight Princess. Et puis, j'espère qu'on pourra faire ça ce week-end. Je sais pas ce que je vais en faire de ce live marathon, mais j'espère que ça pourrait être assez cool. Et ça, je m'en souviens. Dans le grand arbre. En fait, je crois que j'ai voulu faire un peu tout trop vite. Pour moi, c'était ça. Génial. Je suis vraiment très fort. Alors. Monte, Link, monte. Hop. Hello tout le monde, donc on se retrouve après les Leaves, donc les Leaves n'étaient pas là. Mais j'ai eu un problème de micro, donc je vais essayer de vous faire un petit best-of de ce que, pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Observez les environs, vous découvrirez peut-être des endroits inexplorés. Donc là on est tout en haut de l'arbre hein, pour se resituer. On était à l'intérieur et puis là on a fait l'étage. Maître, regardez. Vous avez découvert un nouveau tic, oui. La probabilité pour que le bruit qu'on entend depuis un moment soit le ronflement de ce tic est de 90%. Donc là, vu que j'avais pas de projectile pour mon lance-pierre, j'ai essayé de prendre le scarabée et puis je me suis dit, bah, ça pourrait le faire. Qui? Kiwi me carambole dans mon sommeil. Oh, doux raisin, quelle rareté, inhumain. Je suis l'ermite Tikui de ces bois protecteurs de la goyave et de l'aubépin. Je ne sais quelle échalote t'amène, mais il me semblerait fort que tu me vois. Oui, je te vois. Quel œil tu as, même les autres Tikui ne sont pas tous capables de me voir. Bon, mais quel bourgeon t'amène? On va lui demander où est la flamme, celle qu'on cherche pour affûter notre épée. Pour retrouver ton ami, tu cherches la flamme qui affûtera ton épée comme un roseau. Un humain qui me voit et qui cherche la flamme, quel étrange pois chiche. Bien. Tu promets de ne jamais dire à Kiwi que ce soit que je vais révéler maintenant? Vu que je tiens. Non, je tiens jamais promesse, je promets quand même, mais je m'en fous. Très bien, petit pépin, je vais tout te dire et souviens-toi, c'est un secret. La flamme que tu cherches s'appelle la flamme de Faror. Son histoire remonte au temps, a dit jadis quand Hadès était parmi nous. Elle fut confiée au grand esprit qui règne dans la forêt de Fieron, le dragon d'eau. Il est dit que la déesse la laissa ici pour qu'elle puisse un jour être remise à celui qui viendra du ciel. Et ça pourrait être bien toi, petit pois. Le temps est venu pour toi de rencontrer le dragon d'eau. Le dragon d'eau qui protège la flamme vit dans le grand lac au sud de la forêt. Cependant, la porte qui permet d'accéder au lac est solidement fermée. Donc, en gros, pour faire un récapitulatif, là, il faudrait arriver avec son éclat céleste et faire un dessin en forme de rond au niveau de la porte et ça l'ouvrira. Chose que j'ai faite suite dans le let's play. Mais bon, vu que c'était en non commenté, c'était pas très intéressant que je le montre. Mais attention, il manque une partie du dessin, il faut le compléter. Et c'était le dessin qu'on voyait au tout début du let's play, en fait. Hein, dans tout le début de l'épisode, on le voyait. À l'opposé du sud. Ouais, donc je savais, je connaissais déjà vu que j'avais vu au début de l'épisode. Mais voilà. Allez, fais bien attention maintenant, ne cherche pas trop. Minute postillon. Normalement, c'est minute papillon, mais bon, on n'en veut pas. J'ai presque oublié de préciser. Madame le dragon d'eau est très soupe au lait, alors surveille ta langue de belle-mère. Si elle se fâche, elle peut t'avaler tout rond comme un citron et sans faire de grimace. Ne dis à personne que je t'ai parlé de la flamme de Faror. Ni de loin, ni de si près. J'ai pas envie de finir en salade. Et ce serait bien ton langage et ton comportement. Moi, je retourne à la sieste. Et puis, donc là, vu que je suis en mode YOLO, je saute ici. Et puis, vu qu'on a un parachal, c'est beaucoup plus simple pour les chutes. Et puis, donc là, après, je me dirige en direction de la
de la comment de du lac de non du lac pour ensuite aller voir le dragon d'eau. Et puis je retrouve tout de suite avec le dragon d'eau. Donc là on se retrouve dans l'antre du dragon d'eau, donc après quelques péripéties j'ai pu rentrer dans le lac, et puis là on va se diriger pour voir le dragon d'eau qui est mal en point suite à une discussion qu'on a eue avec l'un de ses gardes. Tu es un humain, n'est-ce pas? Tu es dans un lieu sacré, l'endroit où je vis. Tu n'as rien à faire ici. Comment as-tu fait pour entrer? En effet, je suis Firon, le dragon d'eau, à qui la déesse a confié cette région. Malgré mon apparence, je suis envoyé par la déesse. Mais dis-moi, tu portes mon écaille? C'est une relique que seul l'élu de la déesse peut posséder. Serait-ce donc toi? Cependant, même si c'était le cas, aucun humain n'est censé pouvoir s'approcher d'ici. Je vois. Cette ermite a la langue bien pendue. Je lui avais pourtant interdit de parler de ce lieu à qui que ce soit. Je le mangerai donc la prochaine fois que je le verrai. Héhéhé. Pauvre ermite. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai du mal à croire que la déesse ait pu choisir un enfant aussi chétif que toi. Je vais donc te tester. Vois-tu, j'étais blessé par un certain Guirim qui se prétend monarque démoniaque, et j'ai du mal à me soigner. L'eau contenue dans cette bassine est l'eau sacrée, elle a des propriétés curatives. Mais ses effets sont faibles à présent. Il m'en faut plus d'une fraîche. Va donc me chercher de l'eau sacrée. Il faut qu'elle ressemble à celle de cette bassine. Si tu fais cela pour moi, je te guiderai vers la flamme sacrée que tu recherches. Qu'en dis-tu? Bon, on n'a pas trop le choix, on dirait, donc on va le faire. Donc, fait, analyse l'eau de la bassine, et donc avec le pointeur, on va pouvoir analyser où se trouve l'eau de la bassine. Et l'eau de la bassine se trouve dans la fontaine au fond du premier temple, donc on va devoir retourner au premier temple pour trouver l'eau sacrée qui permettra de soigner le dragon d'eau. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la phase du temple. Et donc on se retrouve après, donc le boss, le temple, c'est le même que ce qu'on avait fait dans les premiers épisodes. Et donc bah là on y retourne, et puis vous allez voir qu'on va avoir un boss qui était assez compliqué, je trouve. C'était vraiment un boss inutile à mon sens. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Encore il y a Eric Gearing qui nous aura attendu. Ok, mais là c'est juste trois squelettes, squelettes assez compliqués à battre. Et donc maintenant qu'on a les bombes, ça va être quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins casse-tête. Donc la technique que j'utilise moi, c'est de tourner autour pour que la bombe les explose, et puis après leur mettre des coups d'épée. Et enfin, c'est pas une très bonne technique, le mieux c'est de les avoir traditionnellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à l'épée, en les tapant, ça les tuera beaucoup plus rapidement. Ah, je crois que là, il y en a un qui m'a eu. Bon, c'est pas très grave, mais disons que ça pourrait être pire. Hop, je continue à mettre des bombes jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça ne leur fait pas beaucoup de dégâts. Et c'est bien dommage. Allez. Là, j'ai décidé de faire une attaque tourbillon. Il m'a quand même eu, dommage. Il retire quand même. J'ai cru voir 3 cœurs. C'est quand même beaucoup pour des boss. Donc, j'ai envie de dire Bob. Hop. Oh, il m'a pas eu. J'ai réussi à faire une esquive. C'était assez classe. Ah, j'en ai eu un. Donc le premier. Il en reste plus que deux. Donc là, après, dès que j'ai vu que j'ai eu le premier comme ça, je me suis dit, bah, je vais faire pareil pour les deux derniers. Hop, un deuxième coup placé. Hop, un coup tranchant du haut vers le bas. Là, on a eu un. Non, on n'en a pas encore eu. Yes, on a eu le deuxième. Et puis donc il reste le dernier, dès qu'il est plus tout seul, c'est beaucoup plus simple de l'avoir. Yeah.
Hop, on l'a eu. Ah, j'ai pas eu le rubis quand même. Dommage. Donc la porte vers la fontaine saut, donc on y va, on va y aller tout de suite. Donc c'était un mini donjon, on va dire, pas trop compliqué. Je perçois de l'eau sacrée tout près d'ici, les auras des monstres ont disparu, vous pouvez à nouveau utiliser la fonction de détection. Donc, moi je sais où se trouve, j'ai pas besoin de la fonction de détection, je sais déjà où elle se trouve parce que j'ai quand même déjà pas mal joué au jeu. L'eau, c'est cette fontaine-là qui est à côté où vous voyez les fées, d'ailleurs je vais en récupérer quelques-unes. Parce que ça pourra me servir lors de mon aventure. Donc on a attrapé une fée. C'est cool, donc elle redonne 6 cœurs. Pas comme les Zelda où elle redonne tous les cœurs. Et puis donc là, bah, on va en prendre une autre. Voilà. Donc j'ai déjà 3 flacons, puis je vais prendre 2 fées, et puis je vais prendre un autre. Je vais prendre un flacon d'eau. Donc le dernier flacon va servir à récupérer de l'eau sacrée. Donc l'eau sacrée, donc il permettra de guérir les blessures du dragon d'eau. La probabilité que cette eau soit la même que celle que contient la bassine du dragon d'eau est de 95%. Retournons à sa caverne. Et donc c'était là où je m'étais arrêté pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un épisode sans problème de son. Et bien, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!